Voilà les amis, après quelques aventures, je suis arrivé à la maison. Francisco est déjà parti s'entraîner du coup. La cuisine, on a de la place quand même, c'est pas mal. C'est toujours plus petit que ça a l'air sur internet, les photos. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, on va manger le repas qui est déjà chauffé là. Riz, poisson. Manger ça tranquillement. Puis commencer à s'installer. Mettre les choses au frigo. S'il faut cuire des trucs et tout ça, on va voir. Donc voilà, voilà. Allez, à toutes les amis. Les amis, repas suivant. Juste un peu de poulet. J'ai pas de légumes donc. Pas fait les courses ce soir, trop claqué. On va essayer de se coucher tôt, puis demain on se lèvera tôt. J'ai mon premier repas qui est prêt. Je crois que je pourrais, pendant que je fais le premier repas, je préparerai le deuxième, le troisième, à la suite. Et puis, ouais. No stress maintenant, on est ici. On fait les choses une après l'autre. Si on peut préparer un peu l'avance, on fait, sinon. On relaxe, tranquille, on fera quand il faut. Donc, soit on va essayer d'aller au plus rapide tôt, bien se reposer, avoir une bonne nuit de sommeil, et puis comme ça demain, on sera bien. Voilà. Tout pour le dernier repas, ou si quelque chose se passe. Francisco, je l'ai vu, on a discuté à un moment et tout. Il avait ses grands jours cahiers ici au Brésil, c'est pour ça que ça va être aussi haut que. Fréquenté là, enfin plutôt, je me demandais pourquoi mercredi en pleine journée il y avait autant de monde, maintenant je comprends, c'est un jour férié. Donc les salles ici, c'est une petite ville, Piracicaba, donc quand Francisco a voulu s'entraîner ici, c'est déjà fermé, donc il n'a pas pu s'entraîner dans une salle. Du coup, Patrick, parce qu'il est aussi avec Tuor, lui a dit de faire un peu de cardio pour faire circuler le sang, chauffer, puis après de faire un petit circuit, de faire les bras de toute façon, donc c'est pas trop important de pas avoir de matos, donc il va faire des pompes, des curls, il y a un petit truc d'or, juste à côté en fait, là où ma maison se trouve, où on peut faire un peu des tractions et tout ça, donc il va sûrement faire les bras là-dessus, et des dips ou des choses comme ça, donc. Voilà, donc on a discuté un moment, il est parti faire ça, je me suis installé, reposer un peu, parler à ma copine, et puis va manger, peut-être s'occuper un peu de demain, discuter, on va voir s'il rentre là bientôt, il devrait pas tarder, et puis manger un repas et se coucher assez rapidement. Voilà les amis, allez à toutes. Ah les amis, on est assez international ici parce que je suis en train de faire mon dernier repas avec mon shake de protéines, de beurre de cacahuètes, et on a des Argentins, du Portugais, du Français, de l'Anglais, Maria, right? Martina. Martina and Francisco, here. My brother Carlo. We like the multicultural environment. Yeah, that's what I was saying. Here. Nice. You understand French now. That's what I was saying. It's gonna be nice. It's gonna be a nice weekend, man. Exactly. We're gonna have a good time and. Voilà, nous on va manger le dernier repas, on va discuter un peu tranquille, relaxer et puis dormir parce que demain on a une grosse journée. Et puis il faut qu'on se rende dans le bain. Allez, à demain. Merci à tous. Ciao, ciao. Boom. Hello les amis, deuxième jour à Piracicaba. Donc on est arrivé hier soir, là on fait le cardio dans la nature. On est avec toute l'équipe. On va pas aller à la salle juste pour faire du cardio, qu'on a ça juste à côté devant la maison. Du coup on est en train de marcher 20 minutes pour se réveiller. De toute façon c'est la dernière séance de cardio. Ensuite on va manger un peu, les premiers repas sont bas en glucides. Ensuite on va remonter un peu après l'entraînement je crois. Et un entraînement de bras aujourd'hui. Et puis voilà, de toute façon je vais vous prendre avec moi donc vous allez pouvoir voir tout ce qu'on va faire. J'ai
essayé d'éditer des vidéos hier soir, je commence à piquer du nez, donc puis on a discuté un bon moment avec, avec Francisco Martino, donc c'était cool. Mais j'essaie de poster des vidéos du Brésil là, le premier jour, au plus vite. Peut-être aujourd'hui j'aurai le temps, il faut qu'on aille faire des courses, faut qu'on s'entraîne, et après le reste c'est se reposer, donc voilà, demain check-in, compétition dimanche. Allez, à tout à l'heure. Les amis, on est retour à la maison et là c'est le moment de manger le premier repas. Donc on a fait un peu de posing. Là on a un shake de whey Santa 6, une scoop et on a. C'était combien 100 grammes de bœuf, 50 grammes de riz pesé cru, donc pas grand chose. Mais bon, on est bien sec ce matin, bien plus dur, bien plus coupé. Donc ça, la stratégie a marché et maintenant il n'y a plus qu'à remplir un peu et puis. On sera nickel, tip top. Voilà, bon appétit à ceux qui mangent et à tout à l'heure. Je leur profite de vous montrer les jolis repas de nos amis. On fait des choses sympas. Voilà. Et voilà, repas numéro 2. Donc, entre-temps, j'ai pas filmé, mais peut-être que Lucio l'a filmé. Donc, c'est le gars qui fait les vidéos pour Francisco. Il est top, il est vraiment super. Si vous avez la chance de parler un peu espagnol ou si vous voulez juste voir des belles vidéos, allez voir la chaîne de Francisco Barrio VLK, VLK sur YouTube. C'est vraiment de la super qualité niveau film, quoi. Donc c'est ce que j'aimerais bien arriver à ce niveau-là. Mais bon, lui, c'est un pro de salaire à l'université pour ça, mais ça m'inspire niveau qualité en tout cas. Et il va normalement me faire un peu de. Des trucs pour mes vlogs ici, donc ça devrait être sympa pour vous à regarder aussi. Donc repas numéro 2, on a 50 grammes de riz, 300 grammes de poisson, de tilapia. Et puis, puis voilà, on va manger ça, on a encore un repas, puis on va s'entraîner. Ah, les chicken ce matin étaient bons, je crois que je sais pas si j'en ai parlé avant. On a vraiment bien séché sur... on a pu perdre l'eau qu'on avait sur les fessiers ischio, vraiment creusé, les quads sont plus profonds. On est bien maintenant, il faut juste remplir un peu et puis pas vraiment chercher à pousser trop le remplissage. Mais on est bien. Allez, à tout à l'heure les amis. Thank you.
Voilà les amis, on va se faire une petite sieste là, après avoir mangé le repas numéro 2. Ouais, on va faire... Oh, j'ai appuyé, voilà ce qui se passe. Bref, on va rouler un peu là-dessus, cette balle qui vibre. On peut essayer de ouvrir un peu les dorsaux et tout, puis s'endormir gentiment. Voilà. Il faut que je branche mon téléphone aussi. Allez, à tout à l'heure les amis. De retour, vous savez ce qu'on fait forcément. On mange 50 grammes de poulet avec 50 grammes de riz posé cru. On a toute la compagnie derrière. Je sais pas où ils sont. Ah, on... Voilà, on mange ça. Puis on va se préparer pour aller à la salle. Séance de bras pour moi. Séance up, haut du corps, pump. Pour Francisco. Donc là. Et après ça, on augmente les carbs. Allez, je vous retrouve à tout à l'heure. Super entraînement de bras, je m'en passais, gros pump. Pour l'entraînement, je ne pouvais pas parler de la musique, mais j'ai mangé 50 grammes de confiture, 50 grammes de galettes de riz et 20 grammes de whey. Et là, maintenant, j'ai repas qui fait plaisir de 50 grammes de bœuf, 120 grammes de riz pesé cru, 100 grammes d'ananas. Et on commence à envoyer du glucide là pour les 3 prochains repas assez puissamment. Donc on va bien manger là. Voilà, je vous retrouve à peu près. À toutes. Et voilà les amis, on se retrouve comme d'habitude pour un autre repas. Donc on a 250 g de saumon avec 120 g de riz pesé cru, 60 g de ketchup. À chaque fois c'est 30 g pour seulement le petit de riz que j'ai. J'ai 60 g pour 120 g de glucides de riz. 1,5 g de sel. Et puis voilà, je suis en train d'éditer.
vidéo avec la famille. La famille. Francisco. Yo. What's up? Cooking is next meal. Improvising. The cooker is Martin. Improvising. Chef. Chef. Yeah. Alors on va manger ça et puis encore 2-3 trucs à faire. C'est sûr qu'on a encore un repas, donc je vous retrouve plus tard. Allez, ciao, ciao, boum. Et voilà, allez, on se retrouve encore une fois avec un repas. 400 g de pommes de terre, 200 g de bœuf. J'ai fini d'éditer le premier jour au Brésil, donc le dernier jour à Las Vegas avec Ethan. Ça va être un peu. Comment on appelle ça? Les derniers jours ils vont arriver après, mais bon, c'est pas grave. J'ai envie de commencer à partager ces trucs qui sont là. Et ouais, donc voilà, première vidéo. Je peux pas passer trop de temps, enfin, j'ai passé déjà beaucoup de temps à éditer, mettre le clip ensemble, mais ensemble, on a plein de choses à faire ici et manger, et s'entraîner et finir ce qu'on a commencé, donc cette prépa pour finir sur une victoire. Il faut faire les choses bien et la priorité c'est de faire le boulot. Donc j'ai fait une édite comme j'ai pu, j'espère que ça vous plaira. Et je suis en train de l'uploader maintenant. Donc, ça devrait être disponible vendredi en France. Voilà, on est jeudi soir là. Enfin, il est déjà vendredi matin, 1h du matin. Pour le dernier repas. Après ça, c'est dodo les amis. Donc je vous retrouve demain pour la presse conférence, le checking, presse conférence, dernier entraînement. Voilà, voilà. Ah, et puis Francisco qui sera la veille de sa compétition. Donc. Ça va être sympa à voir. Allez, à tout à l'heure, les amis. Pesé cru, donc on va voir combien ça nous donne cuit. Ça fait beaucoup de riz, on doit avoir 1,5 kg. Et c'est le riz pour la journée. Autant vous dire qu'on va bien manger. Ouais, les amis, ça fait 2 heures qu'on est debout, on va enfin manger. J'ai eu un petit thé vert, non, un jus de citron avec de l'eau, un café. Je bois pas normalement le café, mais c'est un effet diurétique et Patrick m'a aimé ça. Là, on a le premier repas, 2 œufs, 100 g de bœuf, 130 g de riz, 1 g de sel,
puis on a fait 10 minutes de posing avec Francisco. Et maintenant, tous les repas sont prêts pour la journée, quasiment jusqu'à la fin de poulet, un repas. Donc on est prêt à faire le taf. Voilà. Donc je vais retrouver plus tard pour la suite des aventures, mais je peux vous dire qu'on est prêt. On est un peu plus plein qu'hier, toujours aussi sec, donc rien à remplir. Idéalement, j'aimerais bien qu'on remplisse bien aujourd'hui. Comme ça, demain, on peut lever un peu le pied. Comme ça, on peut se réveiller super, super bien, l'estomac bien tranquille, bien vide. Dimanche matin pour la compète, et puis juste manger tranquillement, sans avoir à soucier de devoir remplir et stresser l'estomac. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Bon appétit. Comme d'hab, on se retrouve pour un autre repas. Et on a 200 g de bœuf, 125 g de riz pesé cru, 50 g d'ananas, une mademoiselle. Voilà, on va manger ça et puis continuer à parler avec ma copine. Allez, je vous retrouve plus tard, toutes. Les amis, on vient de faire le check-in, on a fait la conférence de presse, donc c'était là où va se passer l'événement dimanche pour moi, pas demain. Maintenant j'ai un repas, j'ai du poulet qui m'attend, on va manger ça avant d'aller à la salle, et puis faire un dernier entraînement, upper body pump, et puis ensuite on rentre à la maison, manger, poser, et ensuite on entreposera et le boulot sera fait pour aujourd'hui. Demain c'est plus tranquille, tanning, repos, manger, donc voilà, on commence à être bien plein, donc on va pouvoir lever un peu le pied là-dessus et avoir vraiment la digestion parfaite, l'estomac bien et bien sec dimanche, en étant avoir un bon niveau de rondeur et de fullness, donc ça va être bien, on va montrer ça de toute façon, donc restez connectés et on va partager tout ça, à toutes. Alright. Voilà, on a oublié les Gatorade à la maison, donc on les achète là au supermarché qui se retrouve juste au-dessus de la salle de fitness. Si on avait su ça hier, on aurait gagné du temps. Mais donc on va boire pendant l'entraînement 1,5, 750 ml. Je vais rajouter mes amino XEAs de bien sûr BSN. Et on va mettre 15 grammes là-dedans. Tout boire ça pendant l'entraînement. Vraiment faire le upper body pump. Et puis ensuite on ira manger. Voilà. Voilà les amis, donc on est devant le Biorhythmo Academia Piracicaba. On va faire l'entraînement upper body maintenant. Donc c'est parti maintenant, faut pumper tout ça. On va mettre les glucides au travail et puis voir un peu ce que ça rend quoi. Allez, on y va. We'll be right back.
donc on a fini l'entraînement, on a eu un bon pump, les carbs ils vont vraiment dans les muscles, là ça commence à pousser vraiment violemment. Je me choque moi-même, je ne me suis jamais vu aussi gros et sec. Donc tout se passe très bien. Là après l'entraînement, donc on a 30 grammes de whey, on a 50 grammes de jam, confiture, de framboise et 50 grammes de rice cakes. Donc on va manger tout ça et après on va faire 10 minutes de posing là-bas, donc je vous emmènerai avec moi, mais d'abord on va manger ça, ensuite on va bien pousser ça dans les muscles et ensuite on peut rentrer à la maison tranquille, manger, reposer. Donc à chaque fois ça prend plus de temps que ce qu'on prévoit. Je pensais déjà être à la maison à cette heure-ci, il est à 5 heures presque, et voilà, faire le taf et tout se passe bien, donc pas raison de stresser, faut vivre le moment, profiter d'être au Brésil et profiter du carb up, voilà, c'est des bons moments ça, c'est des moments qui vont être gravés dans ma mémoire. J'espère première victoire en Open, premier départ, début en Olympia, en Open, donc voilà, on va continuer à faire le boulot. Everything's gonna be et de retour à la maison, les amis. Ah, on part pour l'entraînement. On a 125 grammes de riz pesé cru, 200 grammes de bœuf, 50 grammes d'ananas ou pas. Est-ce qu'on a de l'ananas dedans? On va vérifier. Non, on a une banane avec. Voilà, allez, mangez tout ça et je vous retrouverai plus tard. Et comme à mon habitude, nous retrouvons pour un autre repas, les amis. 400 grammes de patates, 150 grammes de bœuf. On a Francisco qui commence à être bien tanné. I'm going to start to be a bit more black. Won't be able to see him. I'm still like in a Latin way, going to the Afro American. All the way. Well, I'm still like in the process. Et il va continuer. Il vient de mettre la première couche. Là, sa copine lui a mis la première couche. Moi, j'ai fait du stretching, essayer de m'ouvrir les dorsaux parce que j'ai un peu une tension dans le dos, mais bon, c'est ce qui se passe quand on sèche et on durcit. Donc voilà, mais ça me tire sur le cou, mais avec une bonne nuit de sommeil, ça devrait être bon. On a encore un repas après ça. Un litre d'eau. Donc, on est pas mal. Voilà, je vous retrouve un peu plus tard. À toutes. I'm good. Voilà, les amis, pour le dernier repas, on a Victor qui est arrivé là de Curitiba. Et enfin, a eu son avion. Il a missed his plane. But he's here. C'est le coach de Francisco, l'entraîneur de Francisco. Donc c'est sympa, il est passé là. Puis moi, je suis en train de manger mon dernier repas là maintenant. On a 100 grammes de bœuf, 100 grammes de flocons d'avoine et 30 grammes de whey. Donc voilà, après, on va aller gentiment se coucher, mais je vous dirai bonsoir. Allez, à toutes.
dernier jour avant la compétition. Francisco il est parti là pour le pré-judging. Voilà, en train de préparer donc, le petit déjeuner, on a 100 grammes de bœuf, préparer plus de bœuf, prépare du riz, les patates ici. Comme ça là on va faire 10 minutes de posing et après ce sera prêt pour faire le premier repas. Et voilà. Donc je vous retrouve maintenant pour faire du posing, je vais essayer de poser la caméra bien et à tout de suite.
fini de poser, on a finalement le repas qui est prêt. Traîner un peu, mais bon, il est quelle heure ? Presque 11h. Repas 1, 2 à 1h, 3 à 3h, 4 à 5h, 5 à 7, 6 à 9. Et on peut se coucher tôt, donc on est pas mal. On a le tanning à 5h, donc à la fois que je me rase, je fais un peu de lessive. Faut que je suspende ça en profitant qu'il fasse beau aujourd'hui. Là on a 100 g de bœuf, 2 œufs, 120 g de riz cru, 1 g de sodium, de sel. C'est bon. Je crois que c'est tout ce qu'on a pour l'instant, si vous oubliez que ce soit. Hop, 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 hop. On a une banane avec ça. J'espère que j'oublie la banane. Je trouve que c'est bon. Voilà, voilà. Donc, ça y est, la journée est lancée. J'ai mon riz qui est prêt, ma patate. Plus qu'à mettre le bœuf aussi, j'ai cuit. Plus qu'à fermer le Tupperware. Préparer tout ça tranquillement. On risque de réduire les glucides sur la deuxième partie de la journée. Donc, on va surtout faire les deux prochains repas. Et puis, on est prêt. Donc, on va faire du posing entre chaque repas. 5-10 minutes, selon ce qu'il y a sur le plan. On a fait 10 minutes avant. Là, on a 5 minutes après le repas. 5 minutes après le prochain repas. 5 minutes après le prochain repas. Donc, après 4, 5, 6, on ne sait pas encore pour sûr ce qu'on va faire. Donc j'enverrai les updates à Patrick et on décidera depuis là. De toute façon, je vous tiens au jus. J'ai enfin pu poster la première vidéo du premier jour au Brésil. Donc si je prends un peu de chill aujourd'hui, quand je vais me mettre à faire une sieste ou autre, je ferai un peu d'édit, histoire de pouvoir vous en sortir une autre là, rapidement. Au moins avant de rentrer à Vegas, quoi. Donc, voilà, bon appétit à ceux qui mangent et je vous retrouve plus tard. Allez, à toutes.
repas suivant. 400 grammes de patates. 150 ou 200, je crois que 150 grammes de bœuf. Meal 5. Et 150 grammes de bœuf, 10 grammes d'huile d'olive. On a pris un petit peu de diurétique avant, une heure après le repas, l'heure d'avant. Donc, une heure après le repas 4 et à peu près une heure avant donc ce repas qui est le repas 5. Ouais, 2 heures. Donc j'ai mangé ça, j'ai encore un repas derrière donc je vais commencer à préparer. J'ai le plan provisoire pour l'instant pour demain donc on va préparer ça, comme ça je suis prêt. Et puis s'il y a des changements on adaptera. Mais voilà, on va se préparer pour demain. Je suis bien fatigué, bien prêt, je me sens bien. Je vais une bonne nuit de sommeil, comme ça, demain on sera au top du top. Voilà, je vous retrouve pour le prochain repas, les amis. Et si je peux filmer un peu quand je prépare le repas, je ferai. Voilà, les amis, dernier repas de la journée. Je suis en train de cuire 1 kg de poulet, j'ai quasiment fini. Ce sera pour lundi, le voyage retour à Las Vegas, en passant par Sao Paulo. On fera demain du poisson aussi. Et il me restera du bœuf, a priori. Parce que le but, c'est d'aller à l'Olympia. Donc on n'aura pas de temps à perdre, on va pas faire de jours où on mange n'importe quoi, etc. Donc, suivre la diète. Donc, au moins, on sera prêt. Et puis, voilà, donc on a 100 grammes de flocons d'avoine. Avec la cannelle, 1 g de sel, 30 g de whey et puis 30 g de beurre de cacahuète. Beurre d'amande, mais j'en ai pas donc c'est du beurre de cacahuète. Et ensuite, voilà, on va. Le riz sera prêt pour demain. On va le préparer dans les 2-3 Tupperware et puis on sera prêt à attaquer la journée demain. Allez, à demain. Et là d'ailleurs, je suis en train d'uploader une vidéo sur YouTube, deuxième jour à Sao Paulo, entraînement de pectoraux, donc j'espère pouvoir poster ça demain matin. Et puis voilà, je vous retrouve demain, jour J, jour de la victoire, jour de réaliser tout le travail qui a été fait et réaliser ce rêve de retourner à l'Olympia et surtout de le faire en open cette fois. Et première d'une longue série, ça le but. Voilà, on pourra vraiment continuer à grimper les échelons. Donc je vous dis bonne nuit les amis, merci de votre soutien, merci de regarder la vidéo. Je sais que c'est un peu en décalé, mais en tout cas ça fait plaisir que vous preniez le temps et que ça vous intéresse et que je puisse partager ça avec vous. En français d'ailleurs, parce que voilà, parce que c'est sympa. Parce que c'est ça que quand je commençais le bodybuilding, c'est ce genre de contenu que je voulais voir et j'aurais voulu trouver mes athlètes préférés qui fassent ce genre de choses-là. Donc, c'est pour vous montrer un peu toutes les coulisses, essayer de donner des astuces et partager un peu cette expérience. Maintenant, ça fait quelques années qu'on fait ça. Allez, bonne nuit les amis, bon appétit, bonne journée à tous et à toutes. Ciao, ciao. Boom.
dry. Now it's time to get some pop back. Got the really, really good cuts in the legs, especially the lower body. That's what we're trying to really get, because my upper body gets cut, pops, everything is there. The lower body takes a little more to get those deep cuts. So tend to hold a little bit of water there, glutes, hamstring, quad. So now it's there. Now everything is deep cut, shredded, dry. But now we want to get a little pop back in. Pourquoi je parle en anglais, mais je suppose que tu parles en français. Je me disais, je suis réveillé en étant bien sec. En général, je retiens un petit peu d'eau dans le bas du corps, c'est ce qui manquait. Donc là, on a vraiment tout qui est sec et découpé. On a perdu un peu de pop, mais on a en tout cas deux gros repas pour réintroduire ça. Donc là, on va boire 1 litre d'eau jusqu'à 1 heure après le premier repas. Donc, on va mettre 500 ici. There you go. En 2 litres, half a liter. And I have half a liter left until 1 hour after first meal. Donc j'ai encore un deuxième 2 litres jusqu'à 1 heure après le premier repas. Donc, on va bien boire pour bien absorber les glucides et puis manger. Donc on va préparer tout ça. Froid depuis que je suis là à Sao Paulo. Premier jour il faisait chaud et humide, deuxième jour il faisait humide et encore un petit peu chaud. Ensuite il a commencé à faire froid et humide, il pleuvait. Ensuite il pleuvait quand je suis venu ici. Ensuite hier il faisait beau. Yesterday was kind of nice. Oh, yes. Then it got cold at night. Le soir il fait froid de nouveau et là ce matin il fait frais. Four and a half hours of water. Bon, voilà les amis, on arrive. On est à 2h, un peu plus de 2h. 2h23 avant de monter sur scène. On va faire dernière couche de tan. J'ai mangé mon deuxième repas. Ensuite, on va donc couche de tan, se reposer backstage. Tout est prêt, tout est bien, donc le boulot est fait. Maintenant, il faut juste rester calme et puis attendre le moment de monter sur scène. Tout est fait, on a les repas, on a l'eau. Je suis vraiment relâché maintenant. On est à l'endroit de la compétition. Plus rien à faire que se reposer et attendre, un peu de posing et tout détruire sur scène avec la meilleure physique que j'ai jamais
affichés à l'heure actuelle. Donc, c'est l'heure d'aller se qualifier pour l'Olympia. Olympia 2022, this is Roshan. Today, c'est son jour où il est passé décédé il y a un an. Donc, rendre fier aujourd'hui et réaliser un de nos rêves qui était d'être sur scène ensemble. Et je sais qu'il sera avec moi sur scène aujourd'hui et à l'Olympia en décembre. Final, le judging c'était difficile à dire ce qui s'est passé. Je sais pas trop où je suis parce qu'ils ont un peu mixé tous les call-outs. On va pas trop se fier à ça. De toute façon, on est toujours là pour gagner, on y va à fond. Il semblerait que le tanning il cache un peu ce qui se passe vraiment sur ma condition. Il y a beaucoup de politique ici et tout ça au niveau des marques et machin. Et quand je faisais le tanning, les gens qui parlaient donc. Je vais voir si je vais y aller comme ça, même sur scène, sans tan, pas avec prendre de risque qui que ce soit essaie de, de me ruiner. Mais je vais voir avec les l'organisateur si ça va, si c'est suffisamment foncé ou pas. Et sinon, on fera une couche de tan et puis on fera au mieux. Mais il y a clairement quelque chose au niveau du tan. J'ai des endroits plus foncés, plus clairs. La condition, elle transparaît pas, alors que j'ai pris des updates là avant de partir, c'est le meilleur look que jamais. Je suis super sec, il y a vraiment. Enfin, j'ai rien à faire différemment parce que je suis super content du package que j'ai apporté, que je suis en train d'apporter, et il n'y a rien de mieux que je puisse faire. Donc voilà, on va juste s'assurer de pouvoir montrer ça sur scène comme il faut, et puis prendre du plaisir et aller chercher cette qualification. Parce qu'on n'arrête jamais de se battre. We never stop fighting. Until the end. Let's go, let's do this. We'll be right back.
my god, I'm crying on my phone, like, don't call. You look so amazing, and you did so amazing. I am so, so proud of you. Right at the cube, and just all on just the sand. And if I don't want to see the bat, and if I don't show the app, I find from Van Lady to someone with coming out of the birth. I don't want them to ask for Bacelli, they're everything for them. You know, what are you telling me about? Adam Neffler and the doctor. On vient de perdre deuxième, finalement, à la compétition. Pendant une seconde, j'ai cru que j'avais gagné, mais c'est bien battu. Franchement, je suis super fier avec le temps du physique là, j'ai affiché. Pas passé loin de ce qu'il y a à l'Olympia cette année, malheureusement. L'année prochaine, ce sera différent. On va travailler plus dur que jamais encore. Vous me connaissez. Et revenir meilleur que jamais, comme d'habitude. Et cette année, on a tout de mon côté. J'ai ma copine, j'ai Patrick, j'ai vraiment une bonne équipe. En plus, Patrick connaît mieux en ligne encore. Donc, cette off-saison, ça va être un next level. Avec tout ce que je fais comme soin à côté, je vais pouvoir vraiment pousser mon corps à des nouvelles limites. Et rajouter, je pense, 5 kilos, on va faire un mot visé pour cette année. Toujours bien sûr, en regardant la ligne, on va pas essayer d'exploser. Dans ce moment, Patrick, c'est impossible à manger fort, rester sur la diète et juste augmenter gentiment, faire les choses bien, sainement, et puis revenir plus fort que jamais. Donc voilà, c'est pas pour cette année, mais il n'est pas passé loin cette fois. Mais une fois qu'on y sera, on quittera plus cette scène, ce sera chaque année. Mais c'est pour nous. Only one way, up. So never give up. Allez. On se retrouve plus tard pour un petit repas fête et avec Francisco, Martina, Lucho. Et pour l'instant, je vous dis bon appétit à cette année. Et aux amis, on va aller manger maintenant. Vamos a comer. Mais juste avant ça, je voulais juste montrer le gars qui vous a fait. Qui, toutes les vidéos que vous allez voir. Ça va être monté avec la qualité, si elle est aussi bien, c'est grâce à une personne. And this is the guy. The guy, Lucho. Bonjour. Bonjour. The coffee and camera. Non-stop working. Il n'arrête pas de travailler. Il fait des vidéos de fou. Donc, si vous voyez ça et que vous appréciez son travail, n'hésitez pas à aller le suivre sur Instagram. Et suivez la page de Francisco aussi, ça c'est YouTube channel Francisco Barrio VLK. Et voilà, on va aller manger, je vais vous amener avec nous. On montre un petit peu comment on s'amuse avec tester la nourriture au Brésil, qu'apparemment c'est délicieux. Donc voilà, on va faire un peu plaisir parce que Patrick a dit de prendre plaisir ce soir, donc on va manger bien, on va pas faire du fou non plus, mais on va se faire un peu plaisir, voilà, donc à tout de suite. Voilà les amis, premier round qui arrive, ils font des pizzas à la maison ici, donc on a tout le monde qui est là, et on arrive avec des belles pizzas bien sûr, vous avez pu voir. Pizza. On va goûter tout ça quoi. Ça a l'air bien bon. Et puis comme par hasard bien sûr, on est à la table numéro 9. Et c'était choisi par hasard. C'était la seule table qui avait qui était ronde. Je me suis dit que c'était mieux. Comme par hasard, c'est la table numéro 9. I think it's the lasagna or what is it? Oh, milanaise. Hein? Milanaise. Et moi j'ai Chateaubriand, filet mignon Chateaubriand avec des patates, du riz, sauce avec du champignon. C'est plutôt diète, c'est plutôt clean. Mais bon, je vais faire un petit dessert quand même après, puis on a eu une part de pizza. Donc voilà, on se fait un peu plaisir.
Oh yeah, c'est mon petit plaisir vraiment. Fondant au chocolat. Oh. Ça me fait barrer. Oh my god. Oh my god, ça les bébés. Yeah.
De retour à Sao Paulo, les amis, Ironberg. This time, we have Kevin Jordan, who came all the way from the US, qui vient des États-Unis aussi, que je connais depuis longtemps en fait, parce que quand j'étais passé pro en 2014 à l'Arnold Classic, il avait eu sa carte pro au National en 2013, et j'étais dans l'avion, quand j'allais à l'Arnold Classic, j'étais dans l'avion avec lui, je racontais l'histoire l'autre jour, il était de l'autre côté de l'allée, donc pour moi c'est vachement marrant de me retrouver avec lui sur scène maintenant, et puis en plus de faire un entraînement avec lui. Et on va faire pec, chest. Yes, chest. On va faire un peu de pec aujourd'hui. Et de toute façon, rien de très violent parce qu'on vient de faire la compétition. Donc, on va pas envoyer des poids comme des malades. Mais on va se faire plaisir, on va s'amuser, on va discuter un petit peu. Et puis, prendre du bon temps dans cette belle salle et partager tout ça avec vous. Voilà, let's go. Venir un petit entraînement de pec avec Kevin, c'est sympa, on fait une bonne congestion, rien de dingue, parce qu'on est déjà encore fatigué, encore déshydraté un peu, donc mais good pump, little pose down, pour le fun, pour vous, et puis voilà, on se trouvera bientôt, de toute façon, on retourne à Las Vegas, depuis Kevin m'a amené pour l'Olympia, il va y avoir plein de gens de toute façon à Las Vegas pour ça, donc plein de vidéos à venir. Restez connectés, abonnez-vous, laissez un commentaire et à très bientôt.